Et ce sera une touche au profit des juniors camerounais. Un ballon qui cherche. C'est Ayouk, il a réussi et il est parti. Ayouk dans la surface de réparation. Il s'enferme, Ayouk. Il s'enferme, Ayouk. Il s'est enfermé. Alors qu'il y avait des solutions derrière avec Meng et Didi qui arrivaient dans le sens de sa course. Il n'a pas levé la tête. Il n'a pas levé la tête sur ce coup-là. Malheureusement pour Ayouk, une autre action alors que c'était juste la tête levée, juste lever la tête et voir qu'il y avait des solutions qui arrivaient pour lui. Encore le Cameroun qui a repris le contrôle des opérations ici. Et là, oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible ce ballon. Le diable du gardien de but, Nelson Tchadia, il a même la nature qui joue avec lui parce que là, c'était un ballon au fond des filets. Mais il a eu ce réflexe de lever le bras pour repousser le danger. C'est un corner camerounais. Corner camerounais avec au départ du ballon Bahanak. Bahanak et la défense zimbabwéenne est rentrée complètement. Deux joueurs seulement hors de la surface. Et c'est parti. Envoyé. Et les Zimbabwéens, c'est Martin Ima. Martin Ima, un peu coupant. C'est Melodat, mais attention. Odion, attention, Pini, mauvais ballon de Pini, et ça va arriver jusqu'à Bahanak, lui également fait son match, tout calmement le petit, c'est un ballon pour Mbeng, Ima, Mbeng qui couvre bien son ballon, Martin Ima, qui va trouver Pini, Pini. Il ne veut pas tirer, Pini, un ballon camerounais toujours là. Donc là, il y a bien des solutions, monsieur. Il y avait des solutions, la précipitation. Et là, nous sommes à la 44e rédaction de l'Angers en fin de match pour le Cameroun, monsieur Ayouk. Il y avait mieux à faire sur ce coup-là. Et voici un autre ballon camerounais dans la médiane avec Elé Rodrigue qui va trouver Bahanak. Bahanak qui va provoquer. Bahanak, attention, il faut donner ce ballon. Bahanak, il va se faire mal. Il va se faire mal, Bahanak, c'est évident. Donner le ballon pour réclamer du soutien. Ça ne va pas être facile, mais il s'est retourné quand même, c'est le plus important, alors que Abou Hassan David et le docteur Adessa vont rentrer sur le terrain. Je suis en train de commencer ce match, vous nous aurez donné raison sur beaucoup de plans. Il y a du talent à discipliner sur le plan technico-tactique et surtout dans l'élaboration stratégique du jeu, alors que le temps additionnel sera de 4 minutes. Amandong Samson Taboufo Yaoulé, 4 minutes de temps additionnel. Ici à l'international Stadium. Additional time, 4 minutes. Additional time, 4 minutes. Pour le Zimbabwe qui va obtenir un corner. Corner zimbabwéen dans le temps additionnel. Et ce sera avec tous les Camerounais qui sont revenus. Le star numéro 10 zimbabwéen, Sibanda Bukozi, il va centrer et c'est renvoyé par la défense camerounaise. Sibanda Mukozi à nouveau, fichier du soutien. Attention, Pini, il va faire ce contrôle de trop. Encore ce contrôle. Et voici Bodion. Bodion qui lui également crochette et il est repris immédiatement. Martin Ima. Et voici. Encore le Cameroun, au-dessus, il méritait marquer, il mérite marquer ce garçon. C'est une belle phase qui ne veut pas être conclue. Et la tête de Bodion, moi j'ai l'impression qu'il effleure ce ballon, le gardien de but zimbabwéen. Ah, il mérite de marquer ce garçon. Sur l'ensemble du match, amis auditeurs de Radio Tchémini Siantour, il mérite de marquer cet après-midi. Et encore le portier zimbabwéen Nelson Tchadia
qui balance ce ballon. Et vous le savez, on ne va pas dire que c'est une joie d'avoir un 0-0, car ces Zimbabwéens peuvent également marquer au Cameroun. C'est déjà bien de ne pas avoir encaissé pour les Lionceaux du Cameroun. Ce n'est pas terminé. Et le centre